Bien, donc ici vous avez quelques résultats qui ont été présentés au colloque ECDECO de Toulouse. Également, il y a un étalonnage qui est fait au moment des prélèvements, c'est-à-dire que comme on va être amené à carotter dans le rhizotron pour prélever les échantillons d'eau et de sol. Anthropophone aussi. D'abord, j'étais tout le temps étudiant, donc j'étais pas l'acteur principal. Marqueur. Et donc ça, c'est une expérience qu'on devrait recommencer parce que malheureusement, on ne le voit qu'au retour, ouais, si l'expérience a marché ou pas. Ce qu'on a pu faire, c'est un traçage isotopique naturel. Donc on a pu mettre en évidence les différences d'extraction racinaire entre une parcelle ténoire et la parcelle. Et je ne bloque pas là-dessus parce que moi, je suis de vivre quelqu'un plus longtemps. Ce qui maintiendrait sur le plan pour le climat, donc les modifications microclimatiques, mais à l'échelle régionale. Un stress hydrique par exclusion de pluie avec des toitures. Et on a vu que, effectivement, la parcelle sous exclusion de pluie allait prélever, avait une extraction racinaire plus profonde que celle qui était. La parcelle témoin. So, yeah, I mean, but at least he's staying with my parents and it's more comfortable. Okay. For him, it's better. Just, yeah, in that well, aspect. In that but aspect, but yeah. My parents, like, it's difficult for my parents. Yeah, 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 well, I can imagine.